ça, après tout silence. Mais ça que fait m'baili, c'est parce que les gens font silence, ils parlent pour moi. Les tout l'autre monde fait silence, ils respectent le silence. C'est celle silence pas ne pas respecter. M'ba vle moun ap parler pour moi. Et les parler pour moi, ils mal parler. Et les parler pour moi, tout pas parler pour moi. Moi même les parler pour moi, me parler bien et me parler dans l'intérêt. Et c'est peut-être ça pas trop longtemps, messieurs dames la presse, il y a un livre qui va sortir des problèmes. Livre ça qui est pile posé là. Livre ça qui est posé pays à là-dedans. Livre là prêt déjà. Pas trop longtemps m'a informé nous date de signature des plans. Et là ça nous connaît ça qui est Haïti. Et moun qui a fait politique à comprendre comment je fais politique. Pas trop longtemps après livre ça. Même pas capable de parler dans la conférence de presse des rapports de force qui viennent actuellement dans le pays. Nous connaissons les rapports de force qui viennent, c'est international qui a dirigé le pays. Nous connaissons ça. Clair. Nous connaissons les États-Unis qui a dirigé. Parlez pour le peuple là. Mais même si les États-Unis. Nous faisons plus que 200 ans. Nous avons boumé. Et nous avons dit ça dans le lancement mobile 22 août dans Guave. Je me dis que nous n'avons pas décidé de faire affrontement avec les États-Unis encore. Même dit tout, nous ne pas marcher dans la politique de soumission. Comme si ça voulait pour nous, c'est libre pour nous faire. C'est ça nous voulons pour nous. Mais ce qui est important, nous voulons une politique de partenariat solide, côté intérêt des pays garanti. C'est ça nous besoin. Ça veut dire affaire nèg la critiquer les États-Unis matin pour Mavel et puis après-midi ni entendre Mavel, laisse ça c'est peuple qui a perdu. Nous voulons entrer dans l'autre théorie, dans l'autre doctrine. Une doctrine de dialogue, mais dialogue qui peut permettre que deux pays gagnent pendant qu'ils ont conservé l'intérêt de l'autre pays qui est ensemble avec. Ça, c'est important. Ça veut dire nous pas dans goumé, nous dans négociation. Nous avons entendu pour nous permettre que Haïti développe pour que le pays soit capable au moins d'offrir petite chance pour aller en souffle. Jean-Fernando Sotil là, à 3 avril 2024, là, nous passons tout pour nous. Nous pas dans le pouvoir. Et nous constatons tout, nous ne savons pas faire ouverture. Nous avons toujours dit nous-mêmes dans la vie, nous ne voulons pas participer dans le gouvernement. Nous ne voulons pas participer dans le pouvoir, mais qu'on pile l'autre force en un pays, nous devons faire ouverture. Parce qu'on n'est pas capable de prendre le pouvoir, pour qu'on ne peut pas ouvrir pour permettre que la transition réussisse. Si ce n'est pas ça, on va l'obliger à faire place à une autre transition. Et c'est peut-être ça que je vous demande. Il n'est pas trop tard. Pour ouvrir le consensus, pour permettre que plus l'autre force participe pour la transition réussisse. Peuple haïtien n'est pas qu'à souffrir encore. 4 ans de transition. Ça veut dire qu'il faut que nous entendions nous pour permettre que tout le monde mette le poids, mette le poids pour arriver à faire une transition définitive pour une élection qui fait pour au moins le peuple qui est côté. Ça veut dire, là par exemple, je dis, ou bien le conseil présidentiel, c'est lui qui met des ministres, c'est lui qui met des directeurs généraux, c'est lui qui va mettre des CFP, c'est lui qui a fait tout le bagage, ça veut dire vous risquez à une élection guidée. Alors qu'il y a besoin d'une élection qui est ouverte, côté tout le monde capable de même droit, même intérêt, même garantie. Bon, c'est ça important. Sous question CPTA, tout le monde dépend de position. Nous avons toujours voulu un gouvernement bicéphale. Mais c'est bien malheureux, c'est formule ça. Et nous souhaitons que vous travaillez plus, parce que je vous dis, depuis un grand monde, dans ce pays, il y a des problèmes, machine de cadeau gouvernemental là, il est bloqué. Gardez depuis tant qu'il y a un problème pour le conseil des ministres, parce qu'il y a des problèmes, machine gouvernementale là, bloqué. C'est la présidence en 9 personnes. Ça veut dire, depuis qu'il y a un problème, la présidence a un problème. Ça veut dire au moins trouver un mécanisme pour avancer. Même Jean-Fernando dit tout à l'heure, question sécurité, la vie chère, ou
ouverture des classes qui fait dans notre palais de Yoa, nous très préoccupés. Question sécurité, j'aime te faire sortir de notre, vous demandez un souci. Un souci parce que question sécurité a déjà un jour plus compliqué. Son insécurité généralisée. Ça veut dire, quelque part, situation complexe, nous constatons que les petits efforts qu'on fait, ce que nous applaudissons, et c'est peut-être samedi, le directeur général qui est là, avec le président CSPN, il y a un souci, il y a un temps. Mais il faut que nous montrions le travail de façon efficace. Parce que le peuple a besoin de sortir de la situation. Et c'est dans ce sens que nous disons, après 4 ans d'attente, nous constatons que nous avons 500 policiers étrangers pour une bonne sécurité. J'en ai toujours qu'on dit là. Nous avons dit que l'armée qui est là, qui probablement a préformé, la police, nous avons fait le job là. Parmi les interventions qu'a fait Jola, montrer qu'il y a fait. Pour qui ça, je dis, j'ai un premier ministre qui nous dit là, il y a environ 10 000 jeunes qui sont capables d'entrer dans l'État, mais j'ai souhaité qu'il y ait une priorité avec la police et l'armée. Parce que la préoccupation de la population, je dis, c'est la sécurité. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un recrutement en masse. Pour mettre des jeunes garçons, jeunes femmes dans la police, là, jeunes garçons, jeunes femmes dans la MEA, qui permettent qu'au moins nous ayons 10 000, 15 000 jeunes garçons, jeunes femmes qui parlent pour nous contre l'insécurité. Ça veut dire, dans le moment ça, il est important pour nous mettre en phase sur la question ça. Parce qu'il y a besoin de plus de monde pour bataille contre l'insécurité. Et là, ça, le gouvernement a négocié avec les amis, les paysans, les pour jouer des armes avec les missions. Parce que les bandits, ils n'ont pas plus d'acquaintance, ils n'ont pas plus de possibilité que l'État, comment les bandits font une arme? Comment faire une mission? Ça veut dire que l'État dégage pour mettre mon intelligent en administration, en équipe gouvernementale, pour chercher munitions, des armes pour permettre qu'ils soient capables de vivre par sécurité. Et c'est dans la même optique ça, que nous croyons qu'il est important. Il est important pour qu'il y ait des efforts qui font pour permettre que tout territoire débloqué. Zone, route nationale, il faut qu'ils soient débloqués parce qu'ils sont bloqués, il y a des conséquences graves sur le pays. Misère, nous tous connaissons. Question sécurité, elle est bouchée, question de la misère. Messieurs, nous n'avons pas qu'à vivre, messieurs, dames. Nous n'avons pas souffert. Nous n'avons déjà pas travaillé déjà. Nous n'avons déjà pas de problème. Mais la situation est plus grave. Nous n'avons pas grand sud. Les produits n'ont pas qu'à jouer parce qu'ils sont bloqués. Les produits ont vendu tête nègre. La situation est dure pour nous. Il y a environ 5 millions de personnes qui n'ont pas qu'à manger dans le pays. C'est une population de 12 millions de personnes. Ça veut dire moitié, presque moitié de la population n'ont pas qu'à manger. Et entre temps, ce qui est passé là, c'est que l'entreprise a fermé les produits. Si l'entreprise, petite et moyenne entreprise, a fermé les produits. Chômage là, à peu près. Jeune garçon, par contre, qui savent faire. Et entre temps, pas de aucune politique pour soulager la souffrance de la population. Et c'est peut-être ça, je crois que le gouvernement est responsable. Il faut que les subventionnés produisent les plus utilisés. Ça, les plus manger à la population. Produit des masses. Ça veut dire, d'où est mon effort qu'il fait. Il faut qu'il arrange avec la douane pour alléger le fardeau fiscal, taxes. Sous produit ça, pour permettre que vous puissiez avec un prix qui est abordable. Il faut que vous une politique de relance production nationale. Il faut que une politique pour une relance agricole. Des produits, des récoltes qui sont faites rapides pour permettre que vous mangez pour au moins que vous ne pas périr dans le menu. Vous avez souffert de l'insécurité et puis la misère va tuer le monde. Et c'est peut-être ça, tout nous dit gouvernement, il faut faire un effort pour une politique d'accompagnement. Pour entreprises, petites et moyennes entreprises, pour les communs sont capables de soulager, pour être capables de rester, pour conserver l'emploi. Je pense que ça, c'est important pour nous comprendre. À travers des notes qui me sont sorties, le journaliste qui l'a, nous constatons que vous faites mention des questions de dénigrement. Donc, campagne de dénigrement. Côté, il va attaquer
Pendant ce temps, nous tous nous connaissons. Nous faisons des mandats comme sénateur, nous sommes sénateurs exemplaires. C'est au fond. Mais pour qui ça l'aime des sénateurs? On va faire un peu mal avec la population. Et je dis, l'équipe PHTK, à travers les âmes qui nous amènent, l'a attaqué. Peut-être nous faisons bataille pour le Caribe. Mais est-ce qu'il va enterrer le Caribe aujourd'hui? Il va enterrer, il va enterrer. Pour qui ça moi-même? Je décide pour continuer à attaquer. Pour qui ça aujourd'hui? Il va enterrer tout le procès massacre. Pour qui ça vous voulez attaquer? Est-ce que je dis pas parler? Pas parler de Beto Caribe, pas parler de massacre, on fait silence. Donc pour qui ça PHTK décide pour l'attaquer? L'utiliser tous les outils qu'il y a, l'utiliser mon nigue dans l'État, l'utiliser l'institution de l'État, l'utiliser la presse qu'elle contrôlait pour l'attaquer. Bon petit nouvelle. Ces derniers temps, il y a un camarade qui fait parler en plus. Je dis, je vais prêter une minute, disons deux minutes dans mes. Par exemple, le commissaire qui sortit de Niagouane, chaque jour son déclaration. En fait. Mais entre temps, moi-même, je me pose la question de ce que ça vient avec elle. Je ne vais pas affronter ma commissaire. Qui ça qui passe? Moi-même, en maître prise, moi identifié que le commissaire ça, il affiché un comportement direct ensemble avec moi comme monde que il voulait protéger. Les jeunes, les mêmes dit ça, les jeunes viennent dire arrêtez-moi. Les dit voye moun vin di m pas arrêter pour pas arrêter. Parce que lui c'est habillé en fait. Les rive dans le commissariat m'a demandé libération dit monsieur qui a pour arrêter avec yo. Il y en a nous qui là. Moi dit ah, je viens chercher ti monsieur qui ont été arrêté au professeur étudiant Jeff. Et puis il dit, il va nous tout à l'heure. Le samedi avec mes dames. Après, il tourne, il dit, ah, je vais dire, vous déplacer, je vais trois avocats pour déplacer parce que le président a besoin d'arrêter. Il fait un premier appel pour le patron pour l'arrêter, mais pas jouer. Il dit, ah, c'est la tombe d'aller. Il dit, mais d'aller, sénateur. Il me dit, je ne vais pas aller sans notre président arrêter. Et puis après ça, il refait appel là. Le joindre pour de presse. Et là, ça dit, l'autre, sous l'autre président de la République, là, sénateur pour arrêter. Ça veut dire que ce n'est pas lui-même des propres grilles qui était arrêté. Deuxième, notre bagaille, dans la même période, ça, Jovenel devait révoquer. Moi, je dis Jovenel, pas révoquer, monsieur, parce que ce n'est pas monsieur des propres grilles qui devait arrêter. C'est où tu es l'autre là pour arrêter. Si vous révoquez, c'est où pour révoquer tes droits. Ce n'est pas monsieur pour révoquer. Les tremblements de terre. 14 août 2021. Il y a toute aide que m'a porté pour mon ami, mais c'est commissaire qui sécurise le convoi. Tout net. Mais si tu as des problèmes, tu vas pas aller. Mais je dis, pour qui ça, mon PHTK, des gens qui ont des problèmes avec moi, ils viennent en face. Ils viennent en face. Même pas utiliser le commissaire. C'est en face que vous venez. Ce n'est pas moun pour la utiliser. Bon, 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 ça veut dire, non, vérité, fais bataille, clair. Fais bataille, clair. Sénateur, vas-y, je ne sais pas. Je dis, moi-même, je ne suis pas organisation droit de l'homme. Si droit de l'homme a fait travail, qui le fait? Moi-même, comme politique, je fais travail. Commissaire, comme représentant gouvernement, je fais travail. Pas. Et qui est C'est ça, 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 c'est ça,
Oui, pas d'accord pour tuer n'importe quoi. Le bon Dieu. Et tout le monde connaît qu'elle ne va pas marcher, nous pas danser collé avec bandit, gang. Elle va dans le gang. Ça, il est clair. Et c'est nous faire plus gros bataille dans le pays comme ça. Amen. Ça va gagner, il va faire un cadeau. Mais les gens qui mettent, tu connais. Qui plus gros bataille pour faire le sénateur? Bataille pour le gang. Bataille pour le criminel. Bataille pour le massacre. Et c'est nous victimes. Et je dis à l'important, nous connaissons que nous ne pouvons pas nous. Par exemple, bon. Mais il y a ces écrits de mots sur papier pour des machines qui finissent craser, qui parlent encore, pour dire qu'ils font fausse déclaration. Mais est-ce que j'aime entendre m'attaquer directement à l'ILCC? Non, non, c'est l'autre qui recevra. À aucun moment. C'est Dieu qui te dit le fait. C'est Ariel qui te dit le fait. Écris contre moi parce que je peine. Est-ce que le commissaire Guillaume n'a pas mis des interdictions de départ contre moi? Est-ce que j'aime attaquer? Pourquoi ça ne va pas attaquer, M. Kabila? Et le commissaire, ça va parler? Pourquoi ça? Non, je ne vais pas attaquer le commissaire Guillaume. Je ne vais pas attaquer directeur ILCC. Nous, je ne vais pas attaquer Subalden. Nous, je ne vais pas attaquer moi. C'est avec eux! C'est la demande pour faire! On va attaquer chef! Parce que c'est eux qui empêchent de avancer. Vous voyez quoi? Si je dis à directeur ILCC, à l'autre monde dans la tête, à l'autre chef, à l'autre président, il a fait bataille contre la corruption. Et pas moi qui viens d'attaquer. D'ailleurs, vous connaissez que moi-même fais bataille contre la corruption. Ça veut dire que je dis à. Vous pensez que un monde qui a fait un travail sérieux, il peut attaquer un monde qui a fait bataille pour faire? Et pas ça. Ça veut dire que vous voulez que nous prenons acte de ça. Et je dis nous bagaille pour vous sous question ça. Je demande nous patience. Patience. Parce que nous avons constaté que des vérités commencent à sortir. Et bien vous voyez des vérités. Oui. À la fin. Tout le monde peut voir que c'est moi qui suis choupé là. C'est moi qui suis choupé. Parce que les campagnes PHTK, pas qu'à voter fruit encore, tout le monde a dit bon.